style et lance ses droits. Spécial leur hip-hop d'hiver se poursuit en Oski Moncan, mais on est avec d'autres stars du hip-hop québécois. Big Lou, Wawa Sanson et Bob Bouchard ici présents. Enchanté, Marie. Merci, ça fait plaisir, moi aussi. Ça se passe comment, les pentes de ski, là, les conditions? Les conditions sont excellentes. Écoute, il a neigé dernièrement. Bon, certains diront qu'il fait froid un peu. C'est totalement fou. Il suffit d'être habillé convenablement. Puis comme dit mon chum Steve, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais vêtements. Absolument. En sérieux, aujourd'hui, c'est vraiment beau. On a fait un tour dans le parc tantôt, on a eu plein de fun. Les landings, les jumps, c'est parfait pour sortir des gros tricks. Ça, il paraît que tu sais faire une couple d'acrobatie, là? Ouais, on en fait beaucoup. Il y a Big Lou qui m'accote de pas loin non plus. Puis qu'il aime bien nous montrer ses nouveautés de l'année. Bouchard, dans le coin, ça fait quoi? Ben écoute, une belle petite bosse. On est très content d'être ici. Un mélange entre Miran et Saint-Castin. Un beau petit endroit. On est très content d'être là. Bon, moi, je suis bien contente. On s'en va voir le clip de CEA, la chanson Ça le plaît, Robin. Sur la liste de ceux que tu voudrais comme père pour ton fils. À une époque où l'amour fils tranquillement vers la baisse. On va le sortir de là avec mes gars. Oh, SCA, oh, triste, des récits touchants qui font danser les gens comme des feuilles au vent. J'entends encore les serpents. Nous ferons pas non plus. Si maintenant je paye au train, c'est un peu à cause d'eux. C'est tout ce qu'on a depuis que les Barbies ont remplacé Tom Cross pour ça. Que la chasse-galerie nous ramène les vallées du folklore devenues légendes urbaines. Barbie, on crie mon nom dans le bout. Jamais j'aurais cru que j'étais plus populaire que la soupe. Écoute, pitoune, vlontoune de draveur. La machine surchauffe, c'est eux dans le graveur. Come on, c'est pour le monde ici qui différencie le top de la bonne bébé. Notre hip-hop rock jusque dans votre coin. Puis nos parties s'étirent jusqu'à 8 ans du matin. Un jour ils vont bien catcher. Les pics qui brassent, les trous qu'on essaye de patcher. Dans musique afin d'être déclaré mort. En se vidant notre sang, on rêve que notre or vienne. Pensez à l'histoire comme les sculptures anciennes. Ça arrive que tout prenne toute la place. Mais l'oiseau qu'on méprise, ça pourra jamais changer. Les voix qui me disent un jour ils vont bien catcher. Un jour ils vont bien catcher. Na 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 na.
show de la relâche au ski Montcalm, spécial d'hiver. Meilleur souvenir de la relâche pour vous? Un souvenir de semaine de relâche? Oui. Ça fait longtemps, la semaine de relâche? J'en ai pas, j'en sais pas. Ben, dernièrement, j'ai pas une longue mémoire, fait que je peux pas aller fouiller super loin. De peut-être, là, 4 ans, on a fait une tournée de 4 jours au Saguenay pendant une semaine de relâche. Les shows étaient pleins. On avait été accueillis comme des rois à Jonquière et Chicoutimi. Moi, personnellement, c'est peut-être ça, sûrement. La semaine de relâche. En secondaire 2, je pense. Pendant la semaine de relâche, j'avais été en République dominicaine avec mes parents. Fait que ça, c'est mon meilleur souvenir de relâche. Je me rappelle au primaire. Une fois, ma mère avait dit, il faudrait que tu t'investisses dans tes études puis tout, mais là, ça, j'avais pas embarqué. Mais c'est un bon souvenir, mais tu sais, comme non. Est-ce que c'est durant la semaine de relâche? Ouais, j'avais un gros débat. Est-ce que j'y retourne? J'allais compléter ma première année, là, je devais avoir 15 ans. Alors, comment ça? Ça me dit absolument rien, je vais trouver quelque chose à dire. On attend. Moi, c'est, ça remonte loin, ça remonte aux primaires dans les journées blanches qu'il y avait. Dans la semaine de relâche, on avait été faire du tube, puis mon père était venu comme moniteur, puis le père à Big Pass en tube, là, c'était quelque chose à voir, ouais, c'était malade. La neige, le repos, les dessins animés, ça a été mes meilleurs souvenirs de relâche. Un souvenir de semaine de relâche, c'est là, la semaine de relâche? Actuellement. Probablement mon premier spring break à Daytona Beach. J'ai découvert des choses là-bas que je pensais pas possible. Je me rappelle quand j'avais à peu près 13 ans, mon père m'amenait faire du ski de fond. J'haïssais ça, mais le but, c'était d'aller louer un jeu vidéo après. Fait que je savais que pour me féliciter d'être venu faire du ski de fond, on pourrait aller louer un jeu vidéo, donc j'allais faire du ski de fond juste pour louer des jeux vidéo. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai pas vraiment de souvenirs de la semaine de relâche. Moi, je dirais Daglo, il y a une couple d'années, JP, pour faire un petit lien, snowboard, tout ça. 3 heures du matin, gros voyage, autobus. De jouer dans la neige, profiter de l'hiver, profiter de son congé quand j'allais à l'école. J'appréciais, j'imagine. De se reposer, de ne pas aller à l'école. Simplement. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure hip-hop spéciale d'hiver. Restez avec nous après la pause, ça se poursuit. Je suis en compagnie du légendaire Babu. Tu vas bien? Non. You know what I mean? Fais pas ça.